Bon, donc aujourd'hui, deux nouveaux joueurs présentés. Jonathan Martins Pereira, donc 28 ans, qui est arrivé libre de Guingamp. On a paraffé un contrat, pour être très précis, d'une saison plus une option de deux saisons supplémentaires en cas de montée en Ligue 1. Je suis là pour retrouver la Ligue 1. Je vais travailler dur pour le club, pour l'équipe, et tout faire pour réussir cet objectif. Et je savais que je rejoignais un club qui a de grosses ambitions et j'en avais besoin. Donc je suis très heureux d'être ici. Jean-Marc m'avait fait venir au mercato d'hiver à Nantes. C'était déjà un entraîneur qui avait fait la démarche pour me faire venir dans son club. Ça reste gravé aussi dans les mémoires. Je lui dois aussi cette venue à Nantes et l'évolution dans ma carrière. Donc aujourd'hui, j'espère lui rendre la monnaie de la pièce en faisant de belles choses avec Troyes. Je suis parce que j'ai mon grand ami Steve Darbion dans l'équipe, qui est le parrain de mon deuxième fils. Donc inévitablement, on suit ses résultats et on suit ses matchs. Et je trouvais l'équipe très très cohérente, très solide. Et avec de très bons résultats, donc c'est de bon augure pour la suite. On part sur de bonnes bases et voilà, je trouve vraiment l'équipe très très intéressante. J'ai eu une préparation difficile, j'ai eu une douleur mollet pendant la préparation, donc on reste prudent, on va tout faire pour que je sois le plus rapidement possible apte à rejoindre l'équipe, mais pas se précipiter, ça sert à rien, donc voilà, j'espère le plus rapidement possible, tout simplement. C'est vraiment mon objectif personnel. C'est vrai, je suis vraiment venu ici pour atteindre cet objectif-là. Après, on verra par la suite, mais voilà, j'ai qu'une idée en tête, c'est de retrouver la Ligue 1. Et je vais tout faire pour, et en espérant que le résultat soit positif à la fin de la saison. C'est-à-dire que lui, il a eu de nombreuses propositions, il avait vraiment la possibilité de signer la Ligue 1. Et je sais qu'il passe des moments difficiles, il m'a dit ce matin, c'est derrière. Mais, et aussi par rapport à tout à l'heure en disant, c'est plutôt, c'est un moindre mal la Ligue 2, comme ça. C'est un peu ça. Il y a eu cette superbe saison en Ligue 1. Et puis je sais ce que pensent les jeunes gens qui sont, c'est qu'ils veulent jouer en Ligue 1. Je ne sais pas si à la fin de saison il sera, mais toujours dit qu'ils ont le rêve, encore plus que les supporters, parce que c'est leur gagne-pain, d'aller en Ligue 1. Et je sais ce qu'il ressent. Pour lui, c'est dur. Il a passé deux mois difficiles, je le sais, j'entends, très difficiles, qu'il va nous falloir le préparer sur de plusieurs semaines, on le sait, on a déjà planifié avec l'opérateur athlétique avec lui, pour que, effectivement, il se mette à les ADN, l'ADN et les gènes Estac dans la peau pour le combat qu'on a amené pendant 10 mois. Et je lui ai dit, voilà, on te ramènera en Ligue 1, ça serait mieux que si c'est avec nous, que sans nous. Mais je lui ai dit, je te ramènerai en Ligue 1.